Coucou. Bah, je suis toujours avec Totof. Voilà. Donc on part pour notre deuxième nuit de bivouac. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Je sens vraiment la différence. Alors est-ce que c'est la première nuit en bivouac qui m'a fait du bien? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est le mélange druidesse d'Erwan, donc nature en herbe. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai un petit lien en dessous. Parce que ça a l'air d'être un gars adorable. J'ai pas eu encore l'occasion de le rencontrer. Mais il est un petit peu à l'opposé par rapport à moi. Donc vers Perpignan, Narbonne, de ces coins-là, quoi. Voilà. Donc je sais pas si on... Bon, si je suis sûr qu'on se verra un jour. Donc je voulais te remercier. Donc citron, miel, jus de citron, miel, gingembre, curcuma. Je crois que c'est tout. De l'eau, évidemment. Du gingembre, j'ai dit. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je me suis fait cette mixture depuis samedi. On est donc lundi. Et je vais quand même mieux. Donc voilà, merci les amis, c'est fait pour ça aussi le partage sur Facebook, sur YouTube, c'est génial. On est reparti à un endroit où je n'ai jamais bivouaqué, où je sais qu'on va avoir du soleil assez tard, c'est pour ça que j'y vais. La vue devrait être très très jolie, s'il n'y a pas trop de nuages. J'ai pris les chiens qui sont impatients, parce que là il n'y a pas de cerf, il y aura des biches, hein, il y aura Et donc ils vont courir, mais ça leur fera du bien. Mais au moins il n'y aura pas de cerf, il y a moins de danger. Et l'introduction est super longue, c'est chiant. À tout à l'heure. Allez, salut. Nous on bouffe notre raisin. Ah si, oui, il y a ça aussi que je voulais dire. Le raisin, c'est peut-être le seul truc non sauvage que j'ai dans mon jardin. Mais les plantes, les vidéos des plantes que j'ai fait. Donc j'en ai fait deux là, dans mon jardin. C'est pas du tout des bégonias ou des machins, c'est des plantes sauvages que je trouve dans mon jardin. Donc vous, enfin, regardez, parce que franchement, il y a plein de trucs à apprendre justement. Et après on les retrouve dans la nature. Moi c'est pas des, voilà, je vous présente pas des roses, mes roses du jardin, hein, j'en ai pas. Si j'en ai, mais je m'en fous. Voilà, il y en a peut-être quelques-unes ou deux qui sont vraiment typiques des jardins, mais la plupart c'est parce que je les trouve dans mon jardin et que je les revois ensuite dans la nature. C'est ça qui est génial. Vous comprenez le truc? Et nous voilà arrivés, alors pas à destination, mais encore dans la voiture, sur le chemin qui va nous mener donc à notre spot. Donc, chemin forestier de je sais pas combien de. J'en ai bien pour encore 20 minutes. Bourré d'églantiers. Avec donc plein de cynorhodons, quand je fais ma récolte, c'est aussi là où je viens. Et regardez comme c'est beau, c'est rouge. Il y en a partout là, des cynorhodons. Voilà, mémorisés. Mais ici, l'automne, c'est tout rouge. Mais ce côté-là, ils sont plus protégés du soleil, je pense. Et là, ils sont vraiment bien rouges. Et ici, c'est splendide, quoi. Ah, mon beau bure. Regardez comme il est magnifique, celui-là. Vous avez peut-être entendu Totof, mais je me suis arrêté spécialement. Il n'est pas arrivé encore. Il est magnifique. Et oh là, il y en a des baies. Punaise. Là, je ramasserai bien quelques grappes. Donc comme ça, c'est pas mauvais. Bon, j'en ai déjà parlé. Hein. Dans... Mais j'aimerais bien voir un peu en compote, un truc comme ça. On s'en ramasse un peu, mon Totof. On essaye ça. Ouais. Et il est bon en plus là. Un petit goût fruité, sympa. Beaucoup plus que ce que j'avais goûté auparavant. Allez, on va se faire, on va se remplir un peu un petit sac et puis voilà. Et voilà. Bon, on essaiera de faire ça tout à l'heure. Ça changera des sempiternels cynorhodons. Ah, mais ça c'est pour plus tard. De toute façon, les cynorhodons, il faut attendre qu'ils gèlent. Hein. Allez, on est reparti. Mes clés. Où sont mes clés? Il y a une clé avec plein de conneries dessus. Mais... La Best Cities, là, je vous en ai déjà parlé, ça aussi. La toxique, les haricots. Mais je m'arrête pas pour ça, je m'arrête pour ça, là. Parce que là, elles sont particulièrement jolies. Donc, c'est de l'armoise.
Non, 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 vous restez là pour l'instant, hein, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et donc, dans la vidéo de Lucky Lloyd, il disait qu'on pouvait faire du handrail avec ça. Et celle-là, je la trouve particulièrement belle. Ces deux-là, là, d'ailleurs. Donc, je pense que je vais la couper, je vais me la réserver. Voilà, là aussi. Je vais prendre ça. Il y en a plein. Là, je m'arrête encore. Bon, pourtant, on est arrivé. Là, le parking, l'endroit pour se garer, c'est juste là-bas. Là, je m'arrête encore. Je viens de prendre des photos encore. Pour cueillir ça. Donc, des épilobes. Et là, je vais récolter. Ça, pour allumer le feu, ça va être absolument génial. Donc, voilà. Vous avez vu cette masse, là? C'est incroyable. Hein, ah, vous avez vu là-bas, là, comme c'est beau aussi. Pic de Glaise. Superbe balade aussi. Et on s'arrête encore. Bon, cette fois, je descends pas de la voiture. Je montre à Totop. Donc, des sorbiers, des oiseleurs. Beaucoup plus imposants que ceux qui sont chez moi. Voilà. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les plantes aussi. J'en ai un petit juste à côté de chez moi. Voilà, cette fois, on est garé. On est parti, sac sur le dos. Il y a encore du soleil ici, comme je l'avais prévu. Et il y a des vaches aussi. Et voilà, on vient de perdre un tout petit peu de temps à discuter avec un chasseur qui veut essayer son fusil. Donc il nous demandait où est-ce qu'on allait. Oui, bon, vaut mieux. Ah ouais, putain, elle est bien curieuse, elle. Mais d'habitude, elles ont peur. Non, non, looping. Non, looping, hein. Attention, vous vous approchez pas, hein. Elle est plus que curieuse, dis donc. En fait, c'est un taureau. Non, je vois pas d'ici. Je pense pas, mais... Bonjour, madame. Ou monsieur, je ne sais pas. Ne charge pas, hein. On te veut pas de mal. Enfin, je vais essayer de m'approcher pour voir. Eh oui, je suis comme ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, est-ce que si je te caresse, tu dis quelque chose? T'as pas peur, hein? T'as pas très peur, quand même. Je suis sûre que je flippe plus que toi. On te dit au revoir, hein? On s'en va. Au revoir. On est en train de délirer devant les vaches, là. Donc, celui qui nous, qui nous coursait, qui avait pas peur, est en train d'appeler les autres. Depuis tout à l'heure. Les autres répondent et viennent. On n'avait même pas vu qu'il y avait des vaches en bas. Donc, est-ce que c'est un mâle, une femelle? Je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Je vois pas d'ici, c'est trop loin. Ses attributs. Mais il a une grosse voix par rapport aux autres. Totof, il en peut plus là. Là en contrebas, on peut voir le chasseur qui vient essayer son fusil. Donc il nous a dit qu'il tirerait deux coups. Donc a priori, il va tirer vers le bas. Donc ça va. Ça va. On n'a pas eu le brame, on a eu le beuglement. Ah, on a eu le gros beuglement, ouais. Ah, c'était assez marrant ouais. Ce truc. De vache qui s'appelle. Au revoir, monsieur le chasseur. Au revoir les affaires. Au revoir. Allez, on continue, nous, on va par là. On va traverser le torrent. J'espère qu'il y a de l'eau pour mettre de l'eau. Sinon on est dans le coco. On est vraiment dans le coco. Je dirais même plus. On est dans la bouse. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'eau, moi je pense. Hein. Et attention, je vais me prendre une branche. Aïe. Oh, ça fait mal. Totof, on suit un peu le torrent, mais bon si. Ce qui était un torrent, ce qui fut un torrent. Enfin, on va essayer de monter un peu plus haut, voir si on a de l'eau un peu plus courante. Parce que là, la courante, c'est ce qu'on va avoir si on boit ça, quoi. Donc j'ai pas trop envie. Bon, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau ce soir, heureusement. Eh oui, j'avais pas fait de repérage et voilà. Faut continuer, mon monsieur, et c'est là-bas. Il y a une ouverture et ensuite ça sera beaucoup plus tranquille. Donc
On monte à flanc. Il n'y a pas de chemin là, hein. C'est direct. On a entendu 3 coups de fusil. J'espère qu'il n'y en aura pas 4. Donc vers le bas. Un petit coup de flip parce que Indiana n'était pas là. Bon là, je peux vous dire qu'elle est là et qu'elle trempe de partout parce que les pans, c'est pas son truc. On continue, après on devrait avoir une vue plus dégagée une fois arrivé sur le replat. Ça fait un an et demi que je suis pas venu ici, je sais plus trop. Donc là, on est ressorti de là. On va sur cette crête, direct. Et ouais, c'est tout droit. Ah, un aigle! Ah, j'ai pas vu. On va par là-bas. Ça va, mon toto? Ça te satisfait niveau paysage? C'est brumeux aujourd'hui. C'est le voilé. Mais c'est joli quand même. Donc on continue à monter. On y est presque. On voit mieux là. Le vent se lève un peu. J'espère qu'on sera protégé. On sera un peu dans un bois pour une fois. Avec une petite clairière devant dans mes souvenirs. On va voir ça. Je reviens là-dessus hein, parce que c'est beau. Ce sera encore plus beau demain s'il fait beau. Bouh. Allez, gling-gling. Allez, fais clochette. Fais clochette et toi, t'es qui, toi? Allez, donnez-lui un surnom, s'il vous plaît. J'attends vos propositions. Donc, mon spot, c'était là. Alors. Donc, vous allez comprendre pourquoi quand je vais me rapprocher. Ça y est, il s'est assis dans son canapé et il regarde la télé. C'est ça? C'est ça que tu viens de dire? Je vais couper le son si on n'a pas besoin. Ah. Mais tu auras toujours le son et de ma voix très pénible pour certains. Cloche. Et des cloches. Donc voilà, là il y a un petit replat. Bon, par contre, les feuilles sont encore bien là. Bon, même si elles vont tomber, je sais pas si on va pouvoir faire le feu là. Il y a des racines ici, donc c'est pas top. Par contre, la vue est top. La vue est absolument géniale. Bah, c'est la même que depuis tout à l'heure, hein. Ça change pas, mais bon. C'est celle qui sera fixe pour nous ce soir, donc notre petite télé. Le soleil est bien haut, il serait puissant, là on le sentirait bien et ça serait super agréable. Et bon, c'est pas le cas. Et salut, je me relève. Voilà. Il dit son texto, Guillaume. Ah, le moment, là, tu vois. D'accord, mais Guillaume, pour la semaine prochaine, pour le bivouac, c'est ça? C'est cela. Bon, je vais faire un coucou. Salut Guillaume. Ça fait longtemps que t'as pas commenté mes publications. Moi j'ai commandé en même temps, mais moi je sais pas, je fais trop de choses pour monter des vidéos. Bon, alors ensuite le coucou, un voyage choix hein, derrière en un Mac. Et voilà, je pense que là-dedans on va pouvoir trouver l'écartement que l'on désire, n'est-ce pas? Et il faut que je retourne voir. J'avais vu aussi qu'il y avait beaucoup de branches tombé à terre quand j'étais venu. Ah, le hêtre a tendance à beaucoup perdre comme ça ses branches. Ah, je ne sais pas pourquoi. Oh putain, chamois ou biche ou machin. Et évidemment les chiens sont partis. Je sais pas si vous l'aurez vu sur la caméra. Ah, ils ont pas fait qui courent après. Ça, j'aime pas ça, mais bon. Bon, bref, je disais que il y avait du bois et ça c'est cool. Alors on va aller s'installer d'abord. Mon sac, mon gros duvet -5 comme d'habitude, qui était très imposant. J'ai pris une couverture en laine, j'ai pris mon tarp à l'extérieur. À l'intérieur ici il y a l'under blanket, donc qui prend la moitié du sac, et le reste c'est ce qui est popote et c'est tout, pas de surplus. Ici hamac comme d'habitude, mes affaires de dodo. Donc bon, donc voilà, bah je vais amener le sac là-bas, ce sera plus simple. Pour décider où on se met, mon totof a eu un bon réflexe. C'est donc de remarquer que les arbres, donc entre autres celui où je suis là,
Oui, je suis perché sur un arbre. Faire gaffe aux arbres morts. Bon, même si celui-là, je pense pas qu'il me tombe sur la tête. Mais voilà, on va peut-être le couper. Et il a celui-là. Alors vas-y, remue-moi celui-là, là. Fais-en un de la chantilly. Remue fort, hein. Allez, tu peux le péter là, juste en le poussant, vas-y. Ici. Et voilà. Crac. Donc celui-là, facile. Ouais, dead. Donc, ça y est, nous l'avons coupé. Vous verrez cette magnifique scène dans la vidéo de Totof. Quand elle sortira, ou elle est déjà sortie, ça dépend. Je vais peut-être avoir un peu de retard. Tu vas avoir d'avance. Non, je crois pas, parce que j'en ai pas mal avant. Donc, peut-être que vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc, je sais pas. On verra. On va voir ce vous. Bon, voilà, je sais pas. Mange là, regarde. Oui, j'y pensais tout à l'heure. Ah ouais, c'est top. C'est la main que je mais regarde. Hey, il y en a une autre là en plus, regarde. Hop. Non, tu copies pas. Si, regarde. Hop. Vous avez vu ce ciel là au fond là. Pas beau ça? Allez, on continue à s'installer. Après avoir coupé donc les arbres qui nous gênaient, on décide où on se met et en fait on va faire le feu ici. Voilà, pour avoir les sièges en bois là-bas. Le siège arbre naturel. Donc ça va pas craindre, hein, ça va être. Il y a une base quand même très très rocheuse en dessous. Et donc les arbres sont hauts. Voilà, on va se mettre là. Ça sera sympa. Donc voilà, j'ai mis mon hamac ici. Donc légèrement banané. Un petit peu, pas trop tendu comme je faisais avant. Non. Je le mets légèrement banané, mais légèrement. Et voilà. Donc ensuite, bah, comme d'hab, under blanquette. Et tout. Tout le teint de toi. Donc, vue globale du camp. Un mac tarp pour Totof. Le feu va se situer finalement ici. J'ai mis un petit hamac pour faire siège. Et un mac tarp qui n'est pas encore entièrement mis là-bas. Voilà. Donc c'est chouette. Ah, et je vais surtout aller voir un peu le coucher de soleil. Ça commence à se préciser à travers le feuillage. Quand je regarde l'écran de ma caméra et quand je regarde ce que ça donne là-bas, c'est pas tout à fait pareil. Je dirais même que ça rend quand même beaucoup moins bien. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut vivre. C'est quand même sympathique, n'est-ce pas? Et voilà, un super moment, le soleil est enfin descendu sous la couche de nuages. Ça fait une lumière. Regardez le looping là. Une lumière, mais c'est fantastique. Là, la petite crête éclairée. Totof, il faut que tu viennes parce que là, c'est absolument somptueux. Ah, tu vois d'ici? Eh ouais, déjà rien que ça là. Et puis là, ici, là, c'est flamboyant. C'est orange. Mais on croirait. Vous avez pensé que l'image est truquée. Mais pas du tout. C'est. Et je vous dis encore, mon appareil, il rend pas pareil. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est sûr que ma tête, elle est orange. Je suis complètement orange. Oh, c'est dommage, est-ce que ça va durer que. Bah, allez, peut-être 3 minutes, 5 minutes. Je peux? Oui, bien, je peux faire à côté de moi. Admirer le spectacle. Alors, celle-là, je te jure, tu m'y attendais pas là. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je peux faire le pays, oui. C'est quand on vit un truc comme ça, quand on est situé à un tel endroit, et ben on n'arrive plus à bouger quoi. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on fait
Photoshop, j'ai fait plein de photos. Et voilà. Et moi j'admire. C'est beau. Et puis d'être en forme là ce soir, ça me. Ah, c'est génial. Encore merci pour le gingembre, tous ceux qui m'ont aidé sur. C'était mon profil Facebook, hein, j'avais posé la question. Comment me requinquer, et merci beaucoup. Parce que je suis vraiment. Je me sens en forme ce soir, c'est cool ça. Ce qui est bien dans ce genre de forêt, c'est que donc, il y a des morceaux comme ça partout. Hein, c'est grand, c'est pas la peine de prendre la scie. Hein. C'est bien connu, mais je le rappelle. Bon, mais j'en ai fait pas mal là, qui étaient un peu plus durs. Et ça marche nickel quoi. Hein. Donc, c'est notre qui ont fait bois. Voilà, c'est le plus dur. Allez, on y va. Et voilà, ça pète. Et ça fait à peu près le dixième que je fais comme ça. Ça fait un petit trésor. C'est chouette. Voilà. Bah écoute, à mon avis, on peut attaquer. Hein. Sortir mes épilobes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, il va y avoir un concert, n'est-ce pas? Donc, un concert de briquets à silex. Alors, j'ai éteint ma lampe et du coup, je ne vois plus où j'ai foutu mon rayon là. Donc, de mon côté, j'avais un deuxième silex. Totof, il a son briquet aussi. Et j'ai coupé le bouquet d'épilobes en deux, le petit nid. On aura chacun un nid. Chacun un morceau de coton. T'as, c'est bon, t'as du coton carbo. Et puis on va faire ça en cœur. Voilà. Avec le cœur. Donc moi je suis prête. Ouais, je filme. Tant pis, tu filmeras pas toi, c'est pas grave. Sinon on a pour 3 heures encore. Oui. Mais ça va être beau ça. Ça va être beau. Alors c'est parti. On commence. Oui. Alors, j'ai déjà ma braise. Je t'attends un peu si tu veux. Dans l'épilobe. Alors sachant que je sais pas si c'est hyper sec, je pense hein, mais... Là ça fume ça. Ah oh, les petites brindilles elles ont pas pris encore. Bon on va devoir faire autrement. Ah c'est dommage, c'était beau. Pas trop. Ah non, t'as perdu ton coton carbo. Vite, 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 du coton carbo. Je pense qu'il va prendre la braise. Faut que le coton carbo reprenne la braise. Je crois qu'il n'y a plus rien. Bon, c'est un bel échec avec les pilotes parce que ça dure pas assez longtemps. Ouais. Mais c'était joli quand même, c'était joli. Bon, ceci dit, j'en ai encore du coup. J'ai même encore une petite braise. Toute petite, qui va partir. Bon, bah voilà, hein, c'était sympa. C'est marrant, voilà. Oh, c'est beau. Il fait cramer cette fois les sons le truc des pilotes. Bah, c'est plus ça qui va prendre, je pense. Oh bah oui. Ça, je préfère pas me baser. Oh, il est 8h. Ouais. Et il fait 3-4 degrés là. Et on n'a pas du tout la même sensation froid que au bivouac d'hier. Parce qu'il n'y a pas de vent. C'est cool. C'est cool. C'est super. C'est génial. Allez.
Salut, on va bien manger ce soir en plus, vous allez voir. Ils font rire les chiens, hein. Ils sont tous les deux allongés l'un côté de l'autre. Bien fatigués. Ils sont bien coursés, hein, les chevreuils. Donc là, on a que du bois de hêtre. Donc c'est génial parce que c'est un bois qui chauffe vraiment très très fort, qui tient bien, qui fait de la bonne braise. Pour moi, quasi le meilleur, quoi. Enfin, l'un des meilleurs en tout cas dans le coin. Voilà. Une jolie hêtraie. C'est cool. Ce soir, au menu. Attention, ça va être terrible. Donc là, c'est de la poitrine d'agneau. Donc je fais légèrement revenir à la poêle dans un premier temps. Voilà, les deux côtés, je passe. Docteur fait en train d'éplucher une patate douce, délicatement. On va couper en petits morceaux. Et on fera cuire tout ça dans un grand plat. À mijoter avec des oignons et des tomates. Voilà, ça devrait être pas mal. Mais les chiens devraient aussi en manger, je pense. Il y en a beaucoup. Bon bah ça se présente bien tout ça. Donc là, ça finit de bouillir un peu. Des patates douces. Un oignon. Et puis à mijoter, ça va être top. Et voilà, ça mijote tranquillement. Il y a une partie qui a bouffé sur les braises, et puis le feu derrière pour nous chauffer et pour faire la braise. Toujours la même technique. Allez, on recharge le feu parce que c'est prêt. Voilà, on va se servir et on va vous en dire des nouvelles. Non, Loupi. Parallèlement, on a donc équeuté les baies, les petits fruits de la lisier, et on va mettre ça à chauffer, on va voir ce que ça donne. Mais c'est une petite compote, bon. Je teste, il n'y a pas de recette. Voilà, quelques minutes plus tard, Totof nous a fait un beau tipi, et voilà, j'ai servi les assiettes, j'ai commencé à goûter, c'est top, franchement c'est top. Je suis bien contente du résultat. Plus vraiment de sauce, mais c'est pas grave, ça donne le goût et c'est bon. Les patates déjà sont bien cuites. Bon, après le reste, tu dois le manger avec les doigts, ce petit gir, d'où le sopalin. T'as pas le choix là. Oh, ça nous réchauffe et tout, c'est trop bien. Bon, il fait 3 degrés, mais on n'a pas froid du tout. Et voilà. Donc, les alises. Donc avec du sucre, de l'eau, qui ont bien amolli. Donc j'ai goûté, et bon ça se mange. Hein. Ouais, ça se mange. C'est pas mauvais. Pas beaucoup de goût, mais ça a plein de petites vertus. Donc on se mange ça. Alors, pas beaucoup de goût, hein, mais bon. Sortir un autre goût par rapport quand c'est cru. Hein. Ah ouais. Il y a un côté caramélisé. Ouais, ça c'est le sucre. Je disais, il y avait la pomme en premier plan et c'est vrai qu'à un moment j'ai sorti l'amande. Ah oui, un peu d'amande. Exact. Pomme et amande. Voilà. Nous avons testé pour vous. Et voilà, reste plus qu'un beau lit de braise qui va tranquillement finir sa vie pendant la nuit. Alors, il y en aura sûrement encore demain matin, mais. Mais voilà, on fera pas de feu, on n'a pas d'eau. Donc ça s'éteindra tranquille. Ça craint pas. Donc demain réchaud. Voilà. Ça chauffe. Échantillon, une partie de la nuit. Le ping. Voilà.
ouais, je vois. Voilà, ces grosses flippettes de chiens là, qui aboient sur les vaches. Alors oui, mesdames les vaches, c'est de votre faute. Voilà, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est un petit peu de votre faute là quand même. Mesdames et messieurs, bonjour. Après ce réveil mouvementé, nous allons faire un point météo. Avec la musique qui va bien, tu sais. Alors, cette nuit, il a fait... Ah, il m'a dit 0,5, en dessous 0,5, moins. Donc nous sommes tombés dans du moins 1 et quelques. Voilà. Là, je le prends, donc tout de suite, ça réchauffe, hein, n'est-ce pas? Ouh, il est chaud. 0,5, donc le réveil, donc là, il fait 0. Voilà, il fait 0. Bon, on dirait pas. On dirait pas. Bonjour, Toto. Bonsoir. T'as mal dormi, comme moi? Il est quelle heure, là? Bon, non, on le dira pas. Il est pas de bonne heure, quand même. Bon. Oh, du chien. Oh. Ouais, on peut pas les louper, ceux-là, je crois. Donc, il ne faut pas les louper. J'ai remis les clochettes. Bah, on est quand même dans une zone où il peut y avoir potentiellement des chasseurs. C'est vous. Donc, c'est à cause de vous. Ouais. Donc, ouais. Et non plus, il n'a pas super bien dormi. Par contre, on n'a pas eu froid. Ni l'un, ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, on n'a pas eu froid. Avec le Lander Blanket, bah nickel, hein, franchement. Donc on est, ouais, 0, on va dire 0. Non, moins 1. Donc il n'y a aucun souci, j'ai vraiment pas senti le froid en dessous. J'avais quand même, par sécurité, mis une couverture. Maintenant, voilà quoi, je préfère hein, quand même. Et puis, bon, mon duvet par contre... C'est rouvert à un moment, voilà, du bas, comme ça, ceux qui me suivent régulièrement savent que j'ai un problème avec mon duvet, sauf que maintenant il souffre du bas. Donc j'ai senti une mordure de, une morsure de froid sur ma jambe à un moment, je suis, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai réussi à le refermer, là il s'est rouvert, donc il faut absolument que je fasse un petit point de couture, et ça sera parfait. Voilà. Allez, on va rangeauter, puis on va petit déjeuner. Hein, ah, petit déjeuner. Voilà, les voilà. Bon, on vient juste de finir en même temps. Ouais, je pense qu'ils sont bien nazes. On n'a pas trouvé d'eau, on est mort de soi. Ben, on vient juste de finir de ranger, nous. Donc le feu était là. Donc il n'y avait plus que des cendres. Hein. On a mis un peu des feuilles pour cacher. J'ai préféré faire un petit cercle. Bon, si jamais... Ça reprenait un peu feu, voilà, que ça s'arrête au niveau de la terre, mais bon, franchement, ça fume absolument pas, donc c'est vraiment tranquille, je pense. Voilà, sac prêt, on a gardé de quoi faire les petits déj dans un sac à part. Ah, mon thermomètre! Heureusement que t'es là, je l'aurais oublié. Ça chauffe? Ouais, 2 degrés! Donc, en fait. Bon, on va aller au soleil, de toute façon. Voilà, donc c'est un endroit moi que j'ai trouvé fort sympathique. Je vais quand même faire un petit point là-dessus. Donc c'est tu. Moi j'ai mis ça parce que vraiment ça allait pas ma coupe de cheveux. Je fais un petit point sur les hêtraies. J'ai montré hier tout ça qu'il y avait pas mal de bois qui tombait à terre. Des branches pour la plupart et qu'on a bien regardé où on mettait les hamacs par rapport à ça et on a fait sauter le peu de risque ici qu'il y avait. Sauf qu'il y en a quand même un peu des branches mortes quand on regarde. Hein. Donc c'est peut-être pas forcément le choix le plus intelligent. Par fort vent en tout cas, ça c'est certain. Il vaut mieux éviter les traits. Et c'est vrai que c'est rare que je me mette dans des sous-bois, vous avez déjà le remarqué. Mais là, je trouvais ça quand même sympathique. Et bon, voilà, on a fait gaffe.
Et mais voilà, si vous voyez des êtres, faites gaffe aussi, quoi. Je trouve. Mais bon, là, ça allait, ça craignait pas trop. Voilà, allez, on va se trouver un petit spot au soleil. Maintenant que les chiens sont revenus, on va aller voir un petit lieu sympathique sur le Gap, théoriquement, si j'ai le courage. Mais bon, tout va aller, après un petit déj. À tout de suite. Et voilà, on sort de la petite forêt, et un peu de nuages, là, aujourd'hui. Tout comme d'habitude, sur le dévolu, c'est souvent comme ça. Et donc on sort, et je regarde l'herbe, qui est encore à l'ombre ici. Et effectivement, c'est blanchâtre, il a bien gelé. Il n'y a pas de doute. Allez, on continue comme ça. En fait, on longe au maximum la courbe de niveau. On reste au même niveau. Peut-être qu'on devra monter un tout petit peu là-bas, mais c'est tout. Ah, c'est beau. Nous, hier, on est monté par ce champ-là. Et là, aujourd'hui, on va aller jusqu'au col là-bas. Et on redescendra par l'autre versant, en fait. Et ça sera un chemin, ça sera plus simple. On profite d'une superbe vue. Et c'est chouette. Et moi je suis en mode Sherpa. Avec un morceau de hêtre posé derrière moi. Et ouais, c'est pour bricoler. J'aime bien le hêtre. Je te ramène ça. Mais bon, voilà, il est posé simplement sur mon sac. Faut pas que je me mette trop droite, sinon ça tombe. Oui, je suis folle. Je sais, on me l'a déjà dit. Bon, là, on est dans Bouzeland. Ouais, c'est un parc d'attractions assez sympa. Il faut éviter les mines, quoi. Les bouses. N'importe quoi. Alors, on se retrouve un peu sur la crête. Un peu beaucoup, même. La crête est là, quoi, légèrement décalée. Mais du coup, on ressent le vent, forcément. Forcément, donc... C'est pour montrer le point de vue là qui va être très brumeux de ce que je peux que je vois à ce col. Bonjour Madame les Vaches. Un cercle de feu là-bas. Un cercle de feu ici. Et ouais, il y en a qui n'ont pas les mêmes priorités que nous. Hein. Bon, de toute façon, ils ont du sang kikiné sur la crête. Il y a souvent du vent ici. Et voilà. Et donc la vue sur tout le bassin Gap-Ancet, voilà, qui amène tout au bout là-bas au lac de Serre-Ponçon. Ici c'est le Champsaur sur la gauche, et on tombe dans les écrins après, encore plus à gauche. Bon, c'est très brumeux, donc je vais pas filmer 3 heures, c'est dommage. Dommage. Et par là, ça va vers Sisteron. Voilà, voilà. J'ai essayé de se poser là. Attention les chiens, restez pas derrière. Ah bah il veut pas tomber. Oh bah j'hallucine. Je te laisse me retirer mon bâton. Le rondin de bois. Il tenait bien. Juste posé comme ça. Oh, ça fait du bien. C'est lourd quand même le hêtre. J'ai avoir mal au cou, je crois, dans les prochains. Bon, on n'a pas beaucoup d'eau, mais c'est vrai que les chiens ont super soif. Je profite de faire un peu de vaisselle. Il me pique mon eau de vaisselle. Bon, il n'y a pas de liquide vaisselle. C'est bon. Donc, tu lèches l'assiette, tu fais un prélavage. Voilà, je vais remettre de l'eau. Cette fois, on n'y touchera pas. Hein? D'accord? Non. Ah, on voit mon ombre. Bon, ben voilà, un pas perdu habituel. Avec le peu d'eau qu'on avait, j'ai réussi à faire du lait. Je vais avec mon lait en poudre. Bien pratique ça. Et voilà. C'est pas dégueu comme décor. Prendre son petit déjeuner. Ton petit déjeuner. T'as déjà tout dévoré. Bon, ça va, c'est que c'était pas mauvais. Moi j'ai les deux miens qui m'attendent là sur ma petite table en rondin de bois. C'est joli. Et voilà, une autre fournée, on a plus de lait, on a plus d'eau, donc on arrête là. Mais ce sera déjà bien. Voilà. Petit déj terminé. Toi t'es au café, je vais laisser l'eau généreusement. Et moi je suis à ma boisson. Et puis il a le zizi sorti. C'est qui tu me disais ça, Angélique? Il a le rouge à lèvres sorti.
pris. J'avais adoré l'expression. Oh, t'as le rouge à lèvres? Hein? T'as le rouge à lèvres sorti? Ah, ah, dans les cheveux! Non! Ah ouais, dans le café, il est comme ça, là. Ah. Mes gros loulous, trouillards des vaches, vous êtes des trouillards. Fais un câlin, maman. Fais un câlin. Fais un câlin. Fais un câlin. Allez, vaisselle. C'est bien. Alors, le problème, c'est que souvent, je pense pas après. Tu sais, je regarde mon sac, je regarde la poêle. Tu vois, bah tiens, elle est propre, je l'ai dans le sac. Souvent, en fait, j'oublie de la rincer de nous. Oh, il y a souvent un torrent, hein. C'est rare quand il n'y a pas d'eau. C'est quand même super rare. Vous êtes mignonnes, mes petites vaches. Donc, nous quittons le col avec la vue côté Gap. Nous venions de là et nous allons redescendre par là. Et voilà. Allez, c'est reparti dans Bouzeland. Arrête, Loupine, calme-toi. T'es pas un chien de troupeau. Non, non, non. Ah si, t'en es un, mais... Donc nous allons longer un bois de mélèze. Ça, c'est vraiment le genre d'endroit où il faut venir à l'automne. Je sais pas si je repasserai par là d'ici 15 jours, 3 semaines, mais c'est tout jaune, c'est magnifique, quoi. Magnifique. Ils sont vraiment énormes, ces mélèzes. Ils sont magnifiques. Ils vont être tout déplumés pendant l'hiver. Donc nous, voilà, on était à peu près sur ce flanc-là, là, à peu près au niveau de mon bâton. Et dans le bois qui est juste à côté. Un tout petit peu plus loin, quoi. Ah, si je repasse ici dans 2-3 semaines, oui, je penserai à toi. C'est vrai que ça... D'accord. J'essaierai d'y penser. Donc là, ça commence. Pour d'autres arbres. Celui-là, ça va être un sorbier, d'ailleurs. Un truc que, ouais, je pense que c'est un sorbier. Il n'y a pas de baie, mais... C'est les feuilles du sorbier. Voilà, j'ai montré un épicéa aussi. Il y en a là-bas. Ça, c'est super au printemps. Et voilà. Nous voilà arrivés au camion. Ça y est. Donc, belle balade. Nous, on était en fait à peu près... par milieu là-bas. Le col il se situe par là-bas au fond. Ah, ça fait une bonne petite balade. C'est sympa. Et voilà, c'est fini. Il est temps de se dire au revoir avec mon Totof. Salut tout le monde. Et merci Nagnès. Une sacrée virée. N'importe quel spot, je disais là, c'est vraiment hallucinant, quoi. Vraiment différent encore de cet été. Ouais. Là, même sans baignade, vraiment, là, on en a pris plein les yeux. C'est super joli, voilà. Je voulais ça et j'ai eu mieux encore. Oh, non, t'as pas eu complètement les couleurs d'automne, mais ça, bon, voilà. C'était en fonction du calendrier. Et moi j'avais un petit peu peur 2 jours avant ton arrivée. Je me suis dit, oh là là, je vais être pas bien et tout. Parce que je traînais ça un petit peu quand même. Et puis là, guéri. Bah, 100% guéri. Donc je pense que c'est en même temps la potion d'Erwan. Et puis tous ceux qui m'ont conseillé le gingembre aussi, ça je pense que c'est très important le gingembre. Et en même temps le bivouac, ça soigne, j'en suis persuadé. Voilà. Et moi bivouac, pas tout de suite, hein. J'en sais rien en fait, ça peut changer, mais pour l'instant il n'y a rien de prévu. Voilà, donc il faudra attendre un petit peu, mais j'aurai toujours j'ai pas mal de petites vidéos, même en attente, de bidouilles, de machin, de bidules. Voilà, allez, salut. À plus tard. Merci et à bientôt. Salut, bisous.